Donc, bonjour à tous, c'est Hillary. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Vivre pour eux. Donc, j'ai pas beaucoup bougé au courant de la nuit, hein. Pour ceux qui le verraient, ben, il y a des ogres un peu partout. Donc, mes petits amis ont décidé de se montrer très généreux. Il y en avait même quatre à un moment donné partout autour du village, dont lui qui était vraiment le plus près proche de moi. Et puis, ben, c'est ça. J'avais envie d'aller me cacher au grenier, mais bon, il n'y avait pas de... Oh, un petit chevalier squelette. Squelette. Zombie, excusez-moi. Il y en a aussi quelques-uns au courant de la nuit. Pas de groupe très extraordinaire, comme j'ai pu vraiment les voir. Un Enderman qui brûle dans le désert. J'ai pas vu autant de zombies chevaliers que durant mes... Oh mon Dieu. Des pop! Va-t'en! J'ai presque envie de sortir puis d'aller tenter ma chance. Dans le pire des cas, hein, on bousille un peu le village, c'est tout. Ce qui sera pas très dramatique. Meurs, meurs. Oh oui! 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 Pfiou! Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je le ramasse. Je viens d'éliminer mon premier ogre. Oh yeah! Un autre là-bas. Lui, on y touchera pas tout de suite, hein? Bon, comme je vous ai dit au dernier épisode, on va commencer... Oh ben tiens, toi, ce serait intéressant par contre. Moins intéressant avec la chauve-souris. Non. J'aime pas les chauves-souris. On va aller chercher, comme je vous ai dit, ce qui me semble être des citrouilles. D'ailleurs, elles sont là-bas. Bon. Je m'en allais un peu partout, puis... Oh! Gigatrou. Ouais, puits de lave. Cool. Oh, des moutons. J'ai besoin de leur laine, mais j'ai pas de cisaille. Un instant, un instant. Ah, ah. On va serrer l'obsidienne. On va mettre ça ici. Viens ici, mon coco. Viens. Viens. Ouais. Bon, lui, de toute façon, il va rester là. Donc, je vais pouvoir venir me servir aussi souvent que je veux. Il est quand même près de la maison. Donc, on va récolter. D'accord. Deux citrouilles. Hop. Puis, on va laisser les autres ici. On va retourner à la maison. C'est par où la maison? On suit l'eau, on suit l'eau. Oh! Oh là là! On suit l'eau sans mourir en tombant bêtement dans le trou, s'il te plaît. Ouf! Oui! Oh non, je les tuerai pas parce qu'après ça, sinon... Je viendrai... Waouh! Pas à bout de retrouver du poulet. On va prendre de la laine, hein? C'est... J'en ai besoin de beaucoup de laine, de toute façon. Waouh! Bon, moi qui voulais retourner à la maison, hein. On ramasse ça, puis je fais la peau aux deux bestioles sanguinaires. Ah! Mon Dieu, j'ai failli y passer. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? C'était quoi le genre de petite météore? Bon, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la petite météore qui vient de passer devant moi, mon Dieu, un pop de main juste à côté. Ouf! Bon, vous savez quoi? Les moutons, ben, ça attendra. Il y a un galopin. Est-ce que... Je sais... Oui, je ramasse le mouton qui est à côté, puis... Je vous coupe la vidéo parce que je ramène mes fesses jusque chez moi. Donc, je vais essayer de me retrouver.
assez rapidement pour qu'on arrive sans que ce soit trop tard. Sinon, on passera la nuit tout simplement. Hein. Je vous la couperai au montage. Donc, à tantôt! Donc, on se retrouve. Oui, j'ai mis la journée à retourner chez moi parce que je me suis perdue en route. Je suis douée. Hein. Donc, oh là là. Donc, voilà, je me suis perdue de façon assez lamentable et horrible, ce qui fait que j'ai tourné en rond autour de ma maison, ce qui semble être un début de maison. Bref, je suis pas très très douée. Donc, on va tout simplement commencer à monter tous ces murs-là, sachant que la nuit arrive bientôt. J'espère que les mages vont avoir décidé de dépoper un peu. J'ai un petit bug. Bon, voilà. Donc, on va monter un petit peu ces murs-là. Je sais que c'est pas ce qui est le plus palpitant pour vous, mais on n'a comme pas le choix de toute façon. Puis, regardez, la nuit tombe déjà. Donc, je sais même plus à combien de minutes d'épisode j'en suis, parce que j'ai laissé tourner le chronomètre. J'ai oublié de l'arrêter. On passe un petit peu en dessous de l'eau. Je veux éviter la chauve-souris. J'aimerais rentrer à temps à la maison. Ce qui, en tout cas, le début de maison, hein. Rotten Flesh, Berk. Gunpowder. Oh, parfait. J'ai un petit poisson à faire cuire. On va utiliser une planche. Ça vaut pas la peine de gaspiller un charbon pour ça, même si j'ai beaucoup de charbon. Mon premier bloc d'obsidienne, youhou. Ça ici, les graines, on va les serrer. On va les planter celles-ci. On va faire ça étant donné que, regardez, la nuit est en train de tomber. Puis de toute façon, je sais plus du tout à combien de minutes d'épisode j'en étais. Je suis désolée, hein, ça me sortit un petit peu de l'esprit de me mettre à compter, là. Le temps qui se dé... qui avait passé, hein, c'est... Ça passe vite pareil. Donc, on va planter ça. Hop. Comme ça. Puis, ça ici, j'ai pas besoin d'autant de canne à sucre. Je vais réduire ça un petit peu. On va laisser seulement les deux cannes à sucre ici. J'aimerais bien, par contre, arriver à me crafter un gâteau ou quelque chose dans le genre. Ce serait bien, je pense, que je puisse me faire un repas sur long terme. Bon, c'est pas le meilleur repas du monde, mais c'est très nutritif, un gâteau. Mais ça va aider un petit peu à combler tout ça. Puis je vais aller voir aussi ce qu'il y en a ici. Ça a pas poussé. Bon, on va y laisser encore un petit peu là, de temps quand même, parce que je sais pas si ça va finir par pousser tout simplement, s'il fait suffisamment sombre ou si c'est suffisamment grand. Oh, il y a un ogre! Bon, il y a un ogre là-bas en face, on n'ira pas se friter hein, de toute façon avec lui, parce que bon, c'est pas essentiel à ma survie, hein. D'ailleurs, c'est tout sauf conseillé. Pourquoi est-ce que... On jurait qu'il est à côté. Il doit être au-dessus. Bon, il y a un galopin qui a décidé de nous casser les oreilles. Je suis désolée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups, un de trop. On va se faire quelques pains. Ça va me permettre... Oh, regardez. On va faire ça comme ça va aller mieux, je pense. Ça va me permettre de me faire de la nourriture. Et voilà. Puis, je vais serrer ma laine. Mes citrouilles. L'une d'elles, j'aimerais la réduire en purée. Non, c'est pas... Comment on fait pour avoir des graines de citrouille? J'en ai aucune idée. Je chercherai sur Internet, puis je finirai par crafter la chose. Parce que j'en ai aucune idée. C'est ça. On va se débrouiller autrement.
Les graines, si on le sert, je vais prendre, je vais prendre, ouf, je vais prendre le petit morceau de fer qui me reste. J'aimerais bien me refaire une épée, mais j'ai plus de fer, je l'ai sacrifié pour des cisailles. Oups. Bon, tais-toi. Je vais relancer le chronomètre, mettons, 7 minutes. On va y aller à peu près. Donc, je prends ça, je prends ça, je garde mon atelier. Je vais me garder du bois comme ça. Voyons, qu'est-ce que vous avez d'ailleurs à tous gueuler, là, comme si... Hein? Bon. On va se faire une pioche. Vu que la mienne est pratiquement morte. On va aller un petit peu explorer la cave juste en dessous. Puis, je vais me faire une épée en... Une épée en pierre. Et voilà. Donc, j'ai des torches. Oups. J'ai des torches, une épée. De la bouffe. Ça comme ça. Ça comme ça. J'ai un seau d'eau au cas où. Je vais me séparer de ma laine grise. Et puis... Voilà. Donc, on va aller explorer un petit peu la grotte en dessous. Non, ça c'est bon. Aucun monstre. Parfait. Puis ça, je vais le mettre ici. Je vais juste reboucher comme ça au-dessus de moi. Et on est parti. Donc normalement, ça devrait être bon. Il ne devrait pas y avoir d'ennemis, quoique je dis ça. Puis l'autre fois, j'ai failli me faire bouffer par... Un chevalier, j'ai eu tellement peur que j'ai fini par boucher l'entrée. On va se faire des torches avant de vraiment se lancer dans la petite expédition. Je dis pas que je vais explorer toute la grotte hein, parce que ben, j'ai pas beaucoup d'armure. Hein. Mais on va en faire une partie. Puis on verra comment ça va. Et voilà. Il y a de l'or ici en bas, je peux pas vraiment le récolter, mais on va finir par arriver à le récolter, hein. Ouh, ça descend à pic. Bon, on va se faire un mini escalier comme ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir nécessairement beaucoup de monstres ici. Plus de l'autre côté probablement. Hop. Puis ça, j'aime pas ça. C'est comme un peu trop facile de tomber. Voilà. Ici. Comme ça. Bon. On va être tranquille un peu. On va aller miner tout juste en face. En plus, il y a du fer, j'ai l'impression. J'ai peur vraiment dans les grottes de tomber sur des Endermen ou pire encore. Je j'ai jamais vraiment testé le combat versus les Endermen. Hein. Ah, et puis ça gueule le zombie. J'aime pas ça. Y a pas une cave au-dessus, là? Non. J'ai peur des Endermen. Je sais pas, est-ce que vous avez des tactiques, vous, un peu pour les tuer, genre, sans trop de problèmes? C'est beaucoup demandé, hein? Parce que ben, ça me fait un peu peur ça. Hein. On les voit pas dans le noir. Puis si j'ai le malheur d'aller mettre mon curseur. Si j'ai le malheur de foutre mon curseur sur eux, ben eux ils se téléportent hein, tout heureux de la chose. Hein, puis ils se mettent à essayer de nous dévorer. Donc, je pense que je vais éviter de trop explorer la grotte. Puis je vais plutôt... Ah, la redstone! Je vais plutôt essayer de vous demander des conseils sur la façon dont vous iriez pour mettre fin à la vie d'un Enderman dans une grotte comme ça. Parce que j'ai super peur, sincèrement. Là. Je peux pas avoir plus peur que ça. Là. Je vais... Ah, j'aime pas ce bruit-là.
me mettre ici, crafter un four. Oh, un four, s'il vous plaît, là, c'est pas, hein? C'est pas la mort. On va le mettre ici, puis... ça, comme ça. Ben! Non, je défrais pas mon atelier. J'ai une meilleure idée. Je vais utiliser mes 6 barres de fer, je pense, pour me faire une pioche. 3. Une nouvelle épée. 2. Il resterait une barre de fer. Bon. Ah, ben peut-être pas. On va faire ça, tiens. Donc, avec la redstone, ce que je vais faire, je vais la garder. Puis, je vais... je vais m'en faire une boussole, tiens. Je pense que ça va être essentiel dans cette saison-ci, surtout si je me mets à explorer un peu les alentours comme j'ai fait. Là, ça m'en a pas pris beaucoup avant de me perdre pour tenter de retourner à ma maison, même en me disant faut que je suive la rivière. J'ai pas suivi la bonne branche de rivière. Donc, on va faire ça comme ça. Ah! Ouf! J'ai même pas eu le temps de voir c'était quoi. Bon. On va essayer de survivre sans... ouais, je prends feu! Ok. Bon, j'ai ma boussole. je vais mourir si ça continue avant même de m'être rendu où j'ai mis mon fer. Ah non, c'est mon atelier qui prend feu. Hey, tout doux. Ok, on va le mettre un brin plus loin. Mais j'ai peur. Est-ce que moi je peux prendre en feu? Non mais sans blague, mon fer, est-ce que j'ai le... Ah, tais-toi le chrono. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. J'ai comme perdu le fil de mon idée. Je sais plus où mon fer. Est-ce que je l'ai tout utilisé ou... En tout cas, vous allez rire de moi, c'est tout, hein, parce que là, je fais la vraie tête en l'air. On va arrêter l'épisode ici. Je sais pas combien de temps il dure. C'est, j'en ai aucune idée. J'ai perdu complètement le fil de mon idée, là, le feu, ça a vraiment bousillé tout ce que j'allais dire. Donc, vu que j'ai complètement perdu la notion de ce que je voulais dire, on va mettre fin à l'épisode. Je vais revenir miner avec vous ici, hein, y a pas de problème, c'est juste que là, ben, c'est ça. Probablement que dans le descriptif de probablement que dans la vidéo, je vais vous mettre un indice sur la bestiole qui m'a attaqué, hein, parce que je vais avoir eu le temps de... Hey! C'est qui est venu ici? Puis qui a fait ça, là? Non, mais... wow! Salaud! Méchant! Je sais pas c'est qui, c'est pas moi. Je vous jure. Mais comme je vous ai dit, les monstres ont tendance à popper un peu partout, hein. Donc, mes plantations sont pas en sécurité. C'est surtout les monstres du... mon Nightmare qui pop un peu n'importe où. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais bouché l'entrée à ma cave, hein. Parce que, justement, ça m'est arrivé de tomber face à face avec une de ces bestioles. On va aller replanter ce qui a été bousillé. Puis je vais arrêter là l'épisode. J'ai vécu de bonnes sensations fortes de mon côté. J'ai vraiment flippé dans la grotte avec le mode des zombies, sincèrement. Mozombie, je pense. C'est fou. C'est pas un mode qui a été mis à jour pour la version 1.1.0 de Minecraft, mais vous pouvez encore le retrouver, je pense, pour la version 1.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 1
8.1 de Minecraft. Donc, ben voilà. Moi, je vous abandonne ici. Puis, prochain épisode, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Donc, je vous réserve la surprise. Puis, est-ce que j'ai mangé durant l'épisode? Je m'en souviens plus. On va manger. Hop, mon personnage a mangé. Puis, ben, c'est ça. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va s'amuser. Donc, ben, moi, je vous quitte ici. Puis, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye tout le monde!